Le Canada veut aider Haïti, mais en installant sa base en République dominicaine. Le Kenya veut envoyer 1000 policiers pour résoudre la crise qui fait rage en Haïti. Le président salvadorien Nayib Bukele se dit être en mesure de gérer le problème des gangs en Haïti. Le Venezuela pense avoir la solution face au problème que rencontre Haïti. Les États-Unis. La Bermude veut à tout prix aider Haïti. Le Cap-Haïtien qui est là-bas dit qu'il veut envoyer 3 policiers pour aider Haïti. Sao Tome. L'Afghanistan. Brésil. La Syrie. L'Iran. L'Irak. La République Dominicaine a fermé ses frontières. Comme d'habitude. Le Japon. Kobe Bryant. Léon Messi. Michael Jordan. La France. Les îles Fidji veulent envoyer de l'eau de la mer pour aider Haïti. L'Équateur, Monténégro, la Bolivie. La grenade est prête à s'exploser en Haïti. Libye, Congo, Israël, Togo. Oh my god, guys, Kim Kardashian veut aider Haïti, oh là là. Madagascar, Cap Lamandou. Le Canada, le roi de la pop, Michael Jackson, se dit prête à changer la couleur d'Haïti. Oh my god, Jack the Titanic veut laisser sa place pour sa rose, Haïti. Les Simpsons veulent apporter leurs soupçons à Haïti. James Bond 007 est prête à bombarder Haïti, les ennemis d'Haïti. La reine Elizabeth II est prête à mourir pour Haïti. Batman veut sauver Haïti en battant des mains. Captain America est déjà en Haïti, mais il ne fait rien. Oh my god, moi aussi je veux aider Haïti. J'ai pas les moyens. Chuck Norris. Lucky Luke. Terminator. Cendrillon veut aider Haïti. Oh. John Wick veut aimer Haïti comme il a aimé son chien et venger le peuple. Scooby-Doo. Jack Sparrow. Big Mama. Les frères Dalton. Tom Cruise. Oh my god. Tout le monde veut aider Haïti. La mort veut quitter Haïti mais est bloquée à l'aéroport. Haïti est bel et bien devenu le premier pays à avoir à sa disposition toutes les aides du monde. Mais la grande question, c'est qui finira par aider vraiment? Sont ceux qui ont toujours aidé d'une aide qui n'a jamais pu aider? Ou serait-ce grand temps pour les Haïtiens de chercher en eux ce qu'ils ont toujours cherché en eux?